Hey! Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Ni No Kuni. J'espère que vous allez bien. On est parti, on a déjà trouvé deux pierres sur 3. Et nous allons nous diriger vers la dernière afin de progresser dans notre aventure. Voilà. Allons-y! Donc, on va regarder la map, on va. Décollage. En avant, Hyrunt. Ah, c'est pas digne. L'homme qui moque bénisse. Yeah. Moque bénisse. Ouais. Alors. Ah, mais tiens, voilà le bateau dont je vous parlais la dernière fois. Ah mais c'est le bateau l'objectif? Bon. Putain, mon bateau est là-bas au fond. Oh voilà, mais vous savez, je vous en parlais dans notre épisode que pendant ma session de farm, j'avais trouvé un bateau comme ça au pif et que je savais pas du tout à quoi il servait. Et ben voilà, je le sais maintenant, c'est un des bateaux qui contient la pierre, très bien. Bon, je pense que je dois aller faire du run dedans avec mon bateau à moi, avec mon rafio, n'est-ce pas? Eh bien, par contre, il me casse les. Oh là là. Oh, j'espère que vous avez pas le mal de mer entre nous, parce que là, on va faire une petite trotte. Hein. Non. On va voguer un moment, on va faire une petite trotte. Autant que je reste dans le thème. Si je prends le bateau, je peux faire une trotte, je vais faire une vogue. Hissez les voiles, le matelot, et lancez les chants pirates. Attendez, on n'est pas dans Assassin's Creed 4. Vas-y, matelot, lancez les voiles et dirigez-vous vers le bateau de l'inconnu et de l'amour. Voilà. Bon, ben voilà, allons-y. Bon, et un avantage sur un certain, je pense, c'est que la plupart des bateaux vont nous foutre la paix. Genre là, je vois pas un monstre dans la mer aller faire. Je suis là pour te casser les couilles. Et fait lancer un combat en mode. Tu ne t'adoptes pas encore, mais tu as passé un mauvais moment. Et moi, je la mode. Trois coups d'épée. Vous êtes mort. Bref. Vogons dans l'océan, direction. Faut que je trouve une rime. Direction. L'Occident. Pas du tout. Bon. C'est moi où il fait demi-tour ce con. Vous savez, seigneur. Pero. No hablas. No hablas espagnol. Si, si. En fait, j'ai l'impression qu'il fait une espèce de demi-tour, oui. C'est rigolo, si j'appuie sur R1, je change instantanément la trajectoire des monstres. Vous avez vu? Si le monstre dans une direction, j'appuie sur R1, je peux le faire dévier. C'est pas mal. Du coup, il a failli me rentrer dedans. C'est quoi cette bestiole, on dirait qu'elle est sur de quatre pattes. Oh, une araignée, ouh. Allez. Y'a pas un mode chavo là. Non, le mec est plus en carré en mode active le mode turbo. Plus de charbon. Faites-moi tourner ses roues plus vite. Bon, en tout cas, on voit le bateau, c'est déjà pas mal. Ah, ça marche pas. Bon, apparemment, dans cette zone là, les monstres n'ont pas peur de moi. Babule. Ah,
Quand je vois qu'il se prend un 277, je me dis qu'il est pas très tanky. Et en fait, le fait qu'il m'agresse, c'est plus de la chance qu'autre chose. Il me met un dégât alors que je suis même pas niveau maximal sur ce familier là. Faut se foutre de ma gueule. De donner 182 XP, faut se foutre de ma gueule. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que le Raphio bouge quand je suis en combat? Je ne sais pas. Ah putain, mais... Le gros problème, c'est que bien entendu, pour faire un demi-tour avec cette connerie... Aouh. J'ai mis 8 de dégâts. Genre démoniaque. Un tape à l'heure. Il est actuellement 1h03. Quoi? C'est pas ça que je voulais savoir. Bon, bah désolé. Si c'est un bateau à la Zelda, il va y avoir une énigme dessus. Mais pas de boss. Par contre, si c'est pas un bateau à la Zelda, il y a moyen que ce soit un boss dessus. Seul le futur me répondra, bien entendu. Non, heureusement, je suis plus rapide que lui. Je pense que là, j'aurais crisé. En mode, vous vous foutez de ma gueule? Ok. Ouf. Ah oui. Bon, j'ai peut-être pas envie de le prendre de côté, le bateau. Ah, vaisseau fantôme. Ne sois pas si dur, Faco. Je suis certaine qu'il y a une explication toute simple. La fille a raison, ce n'est pas un vaisseau fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un galion fantôme. Un galion fantôme? Regardez bien, vous voyez tous ces canons alignés sur les flancs? C'est l'un de ces navires de guerre légendaires et redoutables qui servaient dans les batailles de jadis, ou du moins son fantôme. Alors, c'est pire qu'un vaisseau fantôme? Dans le mille mousseillons, pire que pire des cauchemars que j'ai jamais fait. Hein, c'est quoi cette voix? Ceux qui approchent l'écumeur des mers sans qu'on les ait conviés terminent leur voyage au fond de l'abysse. C'est la loi de la mer. C'est moi où je prends un accent dégueulasse quand je dis ça? La bisque? Il y a bien longtemps que je n'en ai pas mangé, j'ai sérieusement bon, on ne trouvait pas. Ça c'est bien les moussaillons avec des petits pois de carvasse, un régal. Arbre bleu, qu'est-ce que je raconte? Des tonneaux sur le pont. Fais-moi de la pâtée arcane, ces gredins, espèce de bon à rien de automate. What? Mais le mec il fait du fire hopping. Il gratte de la distance. Je sais pas. Si j'ai pas de pet qui tape dans son élément. C'est quel élément qui résiste? Je vais le prendre tranquille. Ça il le prend pas. Il envoie un trait de lumière à la tronche. 91. C'est curieux, est-ce que ça ton corsaire? Parce que pour l'instant il m'a l'air plutôt inoffensif. Donc ah bon, comme prévu c'est un automate, il est sensible à la foudre, heureusement j'ai un pet de foudre.
Punk. Ça y ressemble à... au jeu de société où il fallait mettre des épées dans un tonneau pirate et il y avait des risques qu'on fasse sauter le mec. Aucun rapport, je sais, mais... C'était quoi ce machin, un bon à rien d'un automate? Une pile de boulons rouillés, ouais. Tu as dit, Bouffi, un vrai tas de ferraille ce type, il avait une tronche bizarre aussi. Ah, vous êtes loin de pauvre marin d'eau douce. Ça oui, mais le cauchemar n'est pas encore fini, il vient à peine de commencer. Oh, ah, ah, ah. C'est la voix de tout à l'heure. Qui est là, me montrez-vous? Ah, 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 ah. Qu'est-ce qui ne va pas, fillette? Les mouettes t'ont volé tes yeux, me voilà. Ah, ah. Hein? Oh, c'est le mec dans One Piece, putain, je sais pas, Brook. Ah, 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 ah. Elle avait bien rosé, mon détourneau. J'avais du cran, ça je vous le concède. Comment il y a de scélérat de cale? On n'a pas le froid aux orbites. Vous avez plus d'orbite. 1100 bords, Captain. Vous êtes le Captain le plus spirituel qu'a jamais voguer sur les 7 mers. Ah ah ah. Croyez-moi, Captain, je pourrais mourir une autre fois. Oh là là. C'est bon sens, c'est pas si drôle que ça. Vous êtes quoi exactement? Vous n'êtes pas de vrai squelette quand même. Eh bien, Mousseline dit bonjour à l'abominable Captain Carcasse. Commandant et maître de ce radeau qu'on appelle l'écumeur des mers et terreur de tous les océans, du nord, du sud et d'est en ouest. Oh, Capitaine, quel fouet. Arrêtez de sucer la bite, il en a plus, je suis sûr, dans son squelette. Alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous avez une bonne raison de venir vous monter à moi et ma bande de coupes jarrées. On est à la recherche de trois pierres magiques et notre carte nous a amené ici. Ah ah ah, par tous les tonnerres, vous êtes là pour nous piller nos trésors, c'est ça? Oui, puisque c'est apparemment c'est toi quoi. Oh! Tu m'intéresses, Capitaine Carcasse, suite à ta révélation! Hein, alors il. C'est lui qui a la pierre. Alors, au nom du lanterne, tu parles d'une chance. Vu une mère comme nous tienne à leur trésor plus qu'à leur vie. Si elle n'était pas déjà mort, bien sûr. Ah 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 ah. Vous avez trouvé ça bizarre, mais je commence à les aimer, ces squelettes. Si cet imbécile a la grosse tête, le capitaine légendaire, feu. Cette pierre est le trésor le plus précieux de tous nos repères. Rempli de butin, il va falloir nous passer sur le squelette avant de l'avoir, bande de chiens galeux. Mais bien, on en a besoin, on fera tout ce qu'il faut, mais on vous la récupérera. Tout ce qu'il faut, tu dis. Let's go. Ah, par contre, on commence avec un bonus de... notre combat précédent. C'est un chien, n'arrête pas de te piquer des PV, colle-lui une bonne raclée. Dès que tu as l'impression qu'il va recommencer, je ne vois que ça. Ouh. Oh, c'est pas cool, c'est une pique des PV. Non, 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 non. Putain, mais quel enculé. Pourquoi les bots, ils peuvent aller les chercher? Oh là, du coup, il a gâché, j'y crois pas. Il est qui? Putain, mais quel emmerdeur ce. Quelle fois ce bot de merde. Ouais. Ouais, j'use un expresso hein. Yosh Gambaro. Toi j'avais fait recracher une furie. Non. Je vais mettre le trait de lumière. Pas l'air de se compliquer. À part le fait qu'il y ait une erreur de la chatte. Ah oui, l'avantage c'est qu'il crée le feu aussi, c'est un squelette. Oh là là, il s'est pris un 171 dans la tronche. Oh là là, si j'avais pu lancer la furie, j'aurais mis tellement de dégâts. Et à cause de cet enfoiré de bot de merde, j'aurais dû limite lancer le contrôle. Histoire de l'arrêter quoi. Putain, mais c'est tout, tu fais rien d'autre le boss, tu. C'est ça ta défense, c'est
C'est de prendre tous mes sorts dans la tête. T'es sérieux? C'est ça, c'est ce jeu que je peux faire en détenteur de la perle? De la merde? Mais putain de bot, il fait que... Qu'est-ce... Bot qui casse les murs. Du coup, je fais le boule de feu. La boule de feu de Fina d'ailleurs. Boum. You're a dead skull. Yeah. Nice. 26, 36, 36, 39, 36, 42, 24, 32. Yeah. La raison, je pense que la raison pour laquelle ils étaient en vie, enfin en forme solitique, c'est grâce à la puissance de la pierre. C'est ce qui me paraît le plus logique. Ah non, Captain, faut pas mourir, Captain. Ah, bar, qu'est-ce que vous racontez, ma sérieux, je suis déjà mort. Ah, bar, ah. Captain? Ah, tous ces autres fois, vous voyez un canaille fripouille. Pff, vous nous traitez de vous nous traitez de voleurs, vous nous attaquez, puis vous avez le cul de nous traiter de fripouille. Stico. Tu sais, je crois pas que ce soit nos Vegas. Des gars, ah, y a des lunes qu'on avait pas appelées comme ça, fiston, des lustres en fait. Ouais, c'est bien vrai, tu te souviens du bon vieux temps? On avait qu'un pauvre radeau au début. Mais qu'est-ce qu'on était bien? Oh, vous pouvez attendre être seul, oui? Ah, et le capitaine de la grande époque alors? Un vrai monstre, nous faisait travailler comme des esclaves, jusqu'à ce qu'ils soient honorés par le roi sorcier en personne. On avait peur de rien, ouais, c'était l'âge d'or des corsaires. La mer était à nous, d'un horizon à l'autre, on aurait parcouru le monde et au-delà, à bord de l'écumeur des mers. Ah, mais on pouvait pas vivre pour deux jours. Tant pour. Ça nous a rattrapés fidèles comme la marée. Ouais, c'est vrai, puis on était plus que des âmes seules, pleines d'iode et de sel, dérivant sur les océans du monde. Est-ce que le capitaine nous revienne? On s'est dit qu'il reviendrait, hein. On a repris la mer comme avant. Ah, il n'y a jamais eu de jeu plus heureux que celui-là. Sage, jamais. Qu'est-ce qu'une bande de truands pourrait vouloir de plus après la mort? Ouais, on a eu de la chance. Je regrette rien, non. Je regrette rien de rien. Ah, tu regardes même pas ta tête de poule pêchée depuis une semaine, vieille crapule. Ah, Captain, vous surpassez, j'en ai mouillé ma culotte de pirate. Ah, voilà votre butin, voleur de pierre. On a eu une belle dernière balade sur les flots, c'est l'heure de rentrer. Je sais pas. Ah, d'accord. Et là, pouf, on lève l'ancre. Direction l'outre-monde. Wouh. Ah. Au moins, ils feront pas de. Ils avaient l'air heureux. Ouais, on dirait bien que ça a pas trop mal tourné pour eux, hein. J'ai vu une pire façon de partir. C'est sûrement raison, mais tu crois vraiment qu'ils sont partis pour toujours? Parce qu'ils ne me semblaient pas. Parce qu'ils ne semblaient pas du genre à raccrocher leur coutelas pour reposer en paix. ナモナキ古城に過ぎませんな。何を言う。愚者の王国は滅びる宿命だ。お前の選択に間違いはない。あなたにそのような言葉をいただけるとは。ですが、ひょうぎんとの。あなたほどの方がなぜ我が城まで。思いを確かめに来たまでだ。 思い。とある男の思いだ。世界を守ろうとした一人の男のな。そう。しっかり。
国の窓を閉めろ。この いまだ希望を抱きし人間ども、その希望が絶望に塗り変わる瞬間を、お前と同じように心待ちにしていよう。評議員殿、あなたはどこまで面白い。 Par tous les cieux, vous ne trônez pas, vous en direz bien que vous avez réussi à récupérer les trois pierres magiques. Ah, c'est. En fait, on va faire un sceptre de conseiller, tout simplement, j'ai l'impression. Ça va être derrière en train de l'arrêter, il nous a amené partout. Ah, 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 je suis très fier de lui. Il est encore jeune, mais il a tout ce qu'il faut pour entrer dans la légende. Bon, j'imagine que vous savez que ça va faire maintenant. Les pierres magiques ne doivent plus faire qu'un avec la baguette. Il suffit de remettre les pierres magiques à leur place sur la baguette, c'est ça? D'accord, c'est parti. Ah. Oh, oh. Hein? Elles ne rentreront jamais. Bon sang, bonsoir, c'est une blague? Elles ne sont pas de la bonne taille, t'as un problème de vue ou quoi? Je n'ai pas pensé à vérifier, c'est vrai, on était tellement occupé à les chercher. Vous n'êtes quand même pas en train de me dire qu'on se retrouve avec des poignées de vulgaires des caillasses, hein? Non, ce sont les vrais, sans aucun doute là-dessus. Les gardiens de pierre que vous avez combattus étaient un peu plus authentiques, non? Pourquoi on se rentre pas dans la baguette? C'est Lumen qui a changé de taille. Il est possible qu'elle soit adaptée à la main de son nouveau propriétaire. Mais il doit forcément y avoir un moyen pour que les pierres fassent même de même, et je parie qu'une âme emplie de sagesse a dû l'écrire quelque part. J'ai du fleur pour ce genre de choses, et je vous suggère d'en tenir là où vous avez entendu parler de Lumen et où je me suis procuré la carte. Kassler, mais bien sûr, bien vu Kubilai. En retournant à Kassler, ça devient une habitude. Allons voir, rendre visite Pekkeri. Yeah. Bon, entre nous, je vais vous faire un épisode de 20 minutes. Dire 30 encore, ok, mais 20. C'est vraiment rien. On va continuer un peu. On va essayer de rassembler Lumen. Comme ça, on aura notre nouvelle baguette magique. Bababam, ta 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 ta. Pourquoi j'appuie sur ce joystick? J'ai l'habitude de réaliser ma caméra avec le joystick droit que je fais de la merde. Bon, Pekkeri, nous voilà. Et nous avons besoin de toi. Merde, mongol. Devinez quoi, votre prince T, on a toutes les pierres magiques. Vous avez les pierres magiques destinées à Lumen. Vous voulez dire que vous avez récupéré la carte auprès de Kubilai? C'est bizarre, Majesté, en fait, il nous l'a donné. Kubilai vous a aidé, le pirate du ciel. C'est pas un mauvais bougre quand on le connaît. Il nous a un peu pris sous son aile, il nous a même donné un dragon pour qu'on puisse voler. Tip top, non? Il vous a donné un dragon? Comment est-ce possible? C'est la vérité, votre Majesté. Aeron nous a aidé à trouver les trois pierres magiques, nous n'y serons jamais arrivés sans lui. Ouais, maintenant, c'est de recoller les pierres d'un Lumen. Et pour être franc, on n'a pas la moindre idée de comment s'y prendre. Nous espérions que vous pourriez nous aider un peu, votre Majesté. Donnez-moi, s'il vous plaît, la baguette et les pierres, j'aimerais les examiner. Vas-y, examine. C'est délicat.
On dirait que tu ne peux pas nous aider non plus, pourtant ça n'a pas l'air d'être ça n'a l'air d'être qu'un problème de taille. Eh bien, s'il s'agissait simplement d'harmoniser la taille de la baguette et des pierres, mes pouvoirs seraient amplement suffisants. Mais je reste sans qu'une affaire de dimension. Il y a un autre problème et je ne suis pas en mesure de le résoudre. Oula, tout doux bijou. Tu veux dire qu'il y a autre chose que la taille qui débloque? Pour quoi faire simple? Je crois que j'ai compris. Réfléchissez. Quand avons-nous mis la main sur l'humaine exactement? Quand on était envoyé dans le passé, ce qui veut dire que le problème vient sans doute du fait que vous essayez d'activer l'humaine d'il y a 15 ans avec les pierres que vous avez tenues dans le présent. Tant que subsistera ce décalage dans le temps, disons, il est fort possible que vous ne réussissiez pas à les assembler. Mais alors, j'imagine que la solution serait de retrouver l'humain ici dans le présent. Si seulement c'était aussi simple, j'avais mis mes hommes sur le coup, mais elle a dû être détruite. Il n'en reste aucune trace dans le présent. Attendez un peu, si nous l'avons rapporté du passé, il me semble normal qu'elle puisse pas exister dans le présent. Mais oui, attends, comment ça? Oula, on se calme, ça devient un peu trop compliqué pour moi. Il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Je pense à Kulan, des quatre grands sages. Elle possédait les pouvoirs les plus extraordinaires. Donc si nous réussissons à trouver la grande sage Kulan, elle nous aidera avec l'humain. On parle bien de Kulan, la reine des cieux, là. Elle régnait sur une cité penchée dans les nuages appelée Xanadu. Mais cette ville a été détruite, oui. Quoi, cette cité a été détruite? Ça fait quoi, 5 ans? Oui, tu dois faire ça. Il y a 5 ans, nous avons appris que Shadar avait attaqué la citadelle 16 de Xanadu. Le temps de réunir nos troupes, c'était déjà trop tard. Quand les unités aéroportées de Kassler sont arrivées, Xanadu était déjà rayé de la map. La carte. Malheureusement, je ne sais pas ce qu'il est devenu de sa reine et de ses sujets, mais peut-être qu'avec un peu de chance, il y a un peu d'espoir. Shadar leur a sans doute réservé le même sort qu'à ton prédécesseur. Fako, je t'en prie. Quoi qu'il en soit, je suis dans l'incapacité de vous aider, vous m'envoyez désolé. Ne t'en fais pas, il y a de sûrement existé un autre moyen de résoudre le problème. Un autre grand sage, étant donné que Roxane n'est plus parmi nous, il ne reste que Rachad. Mais oui, mon père doit sûrement savoir quelque chose. Ton père a... Je comprends d'où vient cette sagesse maintenant. En tout cas, il est effectivement possible que Rachad puisse vous aider. Ah ah, merci, votre majesté. Ça ne nous avance pas à grand chose de rester ici à chercher des compliments. On ferait mieux d'y aller, non? C'est vrai, il y a forcément quelqu'un quelque part qui peut nous aider, j'en suis sûr. Bon. YOLO. Ça alors? Regardez cette fille. Comme par hasard. C'est pas le genre d'armure qu'on voit par ici. Déjà, il n'y a pas de groin. Il y a carrément quelque chose d'étrange chez elle. Attends une minute, est-ce que ce serait... Qu'est-ce qu'il y a, Falco? C'est une amie à toi? C'est une vieille connaissance? Oui, non, en fait, c'est son armure que je connais. C'est celle que portaient les sentinelles de Xanadu. Comme par hasard. Pardon, mais je croyais que Xanadu avait été détruite. Alors, ce serait une survivante, si c'est pas du bol, ça. Et on dit, voilà ce que cette fille vient de nous dire. Ouais, elle a l'air morte, entre nous. Spirit. C'est bien vrai, vous pouvez me voir? Bien sûr que oui, pourquoi on ne vous verrait pas? Oh, c'est merveilleux, et vous m'entendez aussi? Oui, on vous entend très bien, mais... Si nous devons utiliser Spirit pour vous parler, c'est que... C'est exact, j'ai perdu la vie il y a longtemps déjà, et vous êtes les premiers à marquer ma présence. Ben, c'était difficile de rater. Avec un contournement pareil. Alors comme ça, vous venez de Xanadu? En effet, j'habitais la cité céleste de Xanadu, j'étais protégé de notre reine. Mais Shadar a détruit Xanadu, n'est-ce pas? Alors vous devez sans doute avoir été... Non, je ne suis pas tombé au combat. J'ai été tué par l'un des nôtres, un citoyen de Xanadu comme moi. Hein, comment ça? Ce que vous avez dit est juste, Shadar a bien ravagé notre cité. Ce monstre a réussi à s'introduire au cœur du palais sans se faire opérer. Notre magie n'a eu aucun effet sur lui, même la puissante sorcellerie de la reine Kulan n'a servi à rien. Kulan. Mais on nous dit que parmi tous les grands sages, c'était elle qui possédait la magie la plus puissante. Elle ne lui a été d'aucune utilité, Kulan n'a rien pu faire non plus, mais Shadar ne nous a pas pris la vie, non. Il nous a pris autre chose. Il nous a volé nos cœurs. Il a pris le cœur de tous les habitants de la cité. Il a volé le cœur de tout le monde. En effet, privé de cœur, nous avons perdu nos émotions et la raison. Et c'est comme ça que... Oups, n'en dites pas plus, je vous assure qu'on imagine très bien la suite. Shadar va payer pour ce qu'il a fait. Je n'oublie jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Toutes ces atrocités resteront à jamais gravées dans ma mémoire. C'est ignoble, ce vertu par l'un des siens, je suis vraiment navré. Ne vous apitoyez pas sur mon sort, mon peuple garde espoir. Comment pouvez-vous encore garder espoir? La reine Kulan, la reine des cieux, elle est toujours en vie. Quoi? Tout y existe? C'est vrai, on pensait que... Maintenant que je suis dans le royaume des esprits, je peux sentir sa présence. Je perçois la puissance de ma reine. J'ai passé des années à la chercher, mais ce n'est pas dans ce royaume qu'elle se trouve. Je sens sa présence au nord d'ici, mais je perçois également que ce doit être une entité si terrible que je crains de m'en approcher. Au nord d'ici, est-ce qu'il pourrait s'agir de cette entité stable? Possible. À une époque, il y avait d'autres royaumes sur ce continent. Aujourd'hui, il n'y a plus que Kassler et quelques petites villes. Mais si elle est vraiment dans le coin, il faut la trouver. Il y a toujours Aerwan, si la reine des cieux dans les parages, on ne pourra pas la rater. C'est vrai, vous allez vraiment partir à sa recherche, vous en serez étonnamment reconnaissance. Ne vous inquiétez pas, madame, on peut pas vous laisser, on peut pas laisser Shadar sortir comme ça après ce qu'il a fait. Et en plus, on a des comptes à régler avec certains des coquins. Arrête d'essayer d'aller impressionner un genre les héros. Ce qu'il veut dire, c'est que vous pouvez compter sur nous.
Je vous remercie humblement, vous avez toute ma gratitude. Ah, je l'ai oublié. Si vous retrouvez la reine Kulan ou tout autre survivant de Xanadu, pouvez-vous lui remettre ceci? Elle a été abîmée par le feu qui ravage notre royaume, mais c'est la preuve que ma cité et moi-même n'avons jamais existé. Pas de problème, vous pouvez nous la confier. Les ailes de Xanadu. Allez, allez, assez déjà cassé, il est temps de réutiliser Otomnia pour trouver la reine Kulan. Alors. Vu que Shadars a l'air d'avoir bien fait joujou, je pense qu'on va affronter un cauchemar. C'est pas marqué, chaque fois qu'on arrive à une étape de notre péripétie, il y a forcément Shadar qui a foutu un cauchemar quelque part. Madame Aerwant. C'était une étape. Vous voyez. Ah, il faut que je la cherche à la main. Ah bah tiens, j'étais passé dans cette ville en Perdida, voilà. Oh, j'ai même pas appuyé sur croix. J'étais passé en live, je me disais, oh tiens, c'est quoi cet endroit? Et j'y avais atterri. Qui va là? Ah, vous n'êtes pas d'ici, vous. Quelle perspicacité. Bon, écoutez, on doit rester là pour voter, on a d'autres chats à fouetter. Cette ville a été bénie par une science supérieure, je ne laisserai pas troubler la tranquillité de ce lieu sacré. Oh, veuillez nous excuser, monsieur, nous ne savions pas. Et nous n'avons pas l'intention de troubler quoi que ce soit. Bonjour, l'accueil, ma chère maman, dit bien de choses à apprendre à ce malotru en manière d'hospitalité. Inutile de perdre votre temps par l'inutile, je ne vous laisserai pas passer. Partez. Juste important, le rituel sacré va bientôt commencer, je ne saurais faire atteindre la reine Kulan. Une minute, vous y bienvenue, vous avez dit la reine Kulan, c'est elle que nous cherchons. Ah ah, vous vous êtes trahi. Vous voulez vous en prendre à notre reine, eh bien il faudra me passer sur le corps. Non, non, vous vous trompez, monsieur, nous voulons juste lui parler. Quelqu'un nous a appris qu'elle était toujours en vie, cette personne nous a remis cette médaille. Mais comment est-ce possible? Dites-moi tout, où vous l'avez trouvée? C'est une femme que nous avons rencontrée à Kassler qui nous l'a donnée, elle portait une armure du même style que la vôtre. Se trouve-t-il que... Elle est ici en ce moment? Non, elle ne voulait pas nous suivre au nord, j'imagine qu'elle n'avait pas très envie d'en rajouter vu qu'elle est déjà morte et tout. Mais ce serait vrai alors, elle serait vraiment morte? Je crois que notre ami ici présent et cette mystérieuse femme se connaissent plutôt bien. Je craignais qu'elle ne s'en soit pas sortie, mais le devoir avant tout. Dites-moi, que voulez-vous à la reine? Nous avons quelque chose à lui demander. Je vois, eh bien je vous laisse passer, mais vous n'avez pas de chance. Comment ça? Vous voulez dire qu'on ne peut pas rencontrer la reine Kulan? Je crains qu'elle n'ait pas de temps à vous consacrer pour le moment. Je vous ai dit qu'elle se préparait à présider une cérémonie, non? En attendant, promenez-vous dans la ville, admirez son essor depuis qu'elle a reçu la bénédiction de la reine des cieux. Ok. Perdida, la cité isolée. Coûte un peu cher, 10 000. C'est oppressant qu'il n'y ait pas de son. Non, ça coûte à peine cher quoi. Ça va m'être utile ça. C'est dommage que moi je puisse pas le porter. Je vais acheter que 6 quoi. Ça va à l'arnaque hein. Pour moi, on va faciliter ça en mettant Widi direct, quoi. Je suis peut-être pas intelligent que je vende tout, mais... Faut vraiment savoir trop vite, quoi. Et y'a encore un mec qui vit d'une épée d'os.
Peut-être dû faire attention à ça aussi. Pas grave, au pire, j'en ferai des emplettes, c'est pas un souci. J'en ai plein qui doivent évoluer. Tu vas évoluer, tu vas évoluer. J'espère que j'ai les bonnes pierres aussi. Je peux faire évoluer aucun. Parce que j'avais pas les bonnes perles quoi. Diablotin ou cabotin. Je vais faire évoluer un diablotin. Ah la gueule. Le faire voler. On va aller faire une petite sauvegarde slash repos. Petit coffre. Un gâteau généreux. Du coup, on va obtenir une nouvelle page aussi. Les régions du monde. Parfait. C'est ça qui m'intéressait. Voulez-vous sauvegarder votre région? Oui. Ça s'appelle le boss. Ok. Demandez aux habitants du coin s'ils ont des informations. Ok. Dis-que tout sera noyé, tout sera purifié. Que le géant est revenu dans notre cité. Le géant ? La jeune Nina n'a pas encore sa bénédiction, pourquoi il y a tant de peur dans ses yeux. En fait, les rescapés se sont. C'est peut-être à elle, Nina. Ah, il faut que j'aille là. Wow, elle a l'air un peu creepy, elle. Clairement. Aïe aïe aïe, mais il est fou ce garde, pourquoi a-t-il laissé entrer de nouveaux étrangers? D'abord ce géant et maintenant des enfants. Excusez-moi madame, nous cherchons la reine Kulan, la garde nous a dit qu'elle était par ici. Vous êtes devenu lui demander sa bénédiction? Ah non, ça va pas recommencer. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur cérémonie sacrée et leur satanée bénédiction? Qu'est? Okay, vous venez à Perdita sans rien savoir sur les bénédictions, regardez bien les yeux des gens ici et vous comprendrez. Oh, on les a bien vus, ces gens ne sont pas bénis, ils sont le cœur brisé. Certaines bénédictions n'en valent pas la peine, j'imagine. Qu'est? Okay, qu'est-ce qu'il a dit monsieur Yaya? C'est vrai qu'ils sont brisés nos cœurs? Ne l'écoute pas, carino. Carino. La bénédiction que nous avons reçue a libéré nos cœurs de la peur. Savez-vous combien de villes l'émissaire de l'ombre a déjà rayé de la carte? Mais vous pouvez pas baisser les bras, il faut résister à Shadar. Laisse-moi te regarder, Nino. Ah, tu es un magicien, n'est-ce pas? Comment peux-tu savoir ce que l'on éprouve quand on n'a aucune magie, aucun pouvoir, quand on n'a que de la peur dans le cœur? Même dame, vous ne pouvez pas accepter d'avoir le cœur brisé simplement parce que ça vous permet de ne plus avoir peur. Il y a raison, qui voudrait d'une telle bénédiction, autant se faire briser le cœur par Shadar? Mpf, Nina, cariño, c'est bientôt l'heure de la cérémonie. Tu vas enfin pouvoir te joindre à nous, il est temps que tu sois béni toi aussi. Je suis prête, Yaya. Alors allons-y, ne faisons pas attendre la reine Kulan. D'accord, en fait, disons que la reine Kulan ne te soit d'une grande aide sur ce coup. Pas si c'est elle qui distribue ses pseudo-bénédictions. Ça ne fait rien, cette petite fille va venir comme tous les autres, il faut les suivre.
Ah oui, très bien. Grosse reconversion, la reine. Genre, on n'en parlera pas de la reine qui est passée de bienfaisante à malveillante, quoi. Genre, elle c'est elle qui brise le cœur de ses habitants. C'est un truc de fou. Ça doit être interdit. Ah oui, rien qu'à son regard, on voit qu'elle n'a pas que le cœur brisé simplement. Elle vise un peu ses yeux, ils sont tout bizarres. Bon sang, elle a le cœur brisé. C'est Jadar qui a dû lui faire ça quand il a attaqué Xanadu. Au moins maintenant, c'est pourquoi elle fait n'importe quoi en disant ses audissants. Bénédiction. Mais si on ne revient pas, Nina, elle aussi aura le cœur brisé. Non, laissez-moi. Que se passe-t-il, mon enfant? Je ne veux pas être béni, je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas avoir le cœur brisé, vous dites tous n'importe quoi. Nina, comment oses-tu dire des choses pareilles devant la reine Kanukulan? Cet enfant refuse ma bénédiction. Dans ce cas, je n'ai pas le choix, il va falloir une cérémonie spéciale pour remettre cette petite fille guérie dans le droit chemin. Qu'allez-vous lui faire? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, carrément. Non mais en fait, Shadar l'a complètement corrompu son esprit, c'est pas possible. Oula, il a l'air tanky, lui. Et il a l'air d'en vouloir aussi. Ah, il me fait mal aussi, sa mère. Je me dis pas, il va falloir que je grind. Je le refuse. J'ai déjà beaucoup grindé, je voulais pas grinder avant un petit moment. Pourquoi il prend quand même relativement cher? Ouais, va être la mana des gens en fait. Défendez-vous, défendez-vous. Où est-ce qu'il y a la boule? Là. J'ai perdu la boule! Trait de lumière! Plus diluvienne. Protégez-vous! Une boule! Non! Yes! Putain, c'était le familier qu'il avait, je pétais un câble. Cœur brûlant! Ya! Fire in the hole! Franchement, mes mates sont empoisonnés. Défendez-vous. Vite. Je m'occupe de vous soigner, pas de soucis. Faco. Trait de lumière. Brah. Il m'aime pas, moi. Apparemment, il aime pas ma tronche. Défense, 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 défense. Il y a notre furie là-bas. Non. Non. Putain. Lumi, tu veux pas nous aider un peu? Putain, j'ai perdu du temps pour la récupérer, du coup je me suis fait baiser. Oh Myrta.
Pourquoi il s'est pas défendu, ce débile? Il est empoisonné en plus maintenant. Oh là là, je vais prendre max, je vais prendre la max parce que j'ai pas le temps de me défendre. D'accord, en fait, il stalle dans les feuilles de poison, que ce que je fasse moi aussi. Mais putain de famille de merde, limite je préférais qu'il crève, ça me ferait moins de poison à gérer. Vraiment ils ont fait que de la merde hein. Qu'on se le dise. Putain, c'est moi j'avais un antipoison à équiper. Prends ton cœur mule à la face. Fire. Brum 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 brum. Mais c'est qu'ils arrêtent de marcher dans les flaques de poison. Ça m'aiderait actuellement. Pourquoi il faut qu'il y en ait un qui ait pris la max là? Attendez. Moi je vais augmenter ma puissance là. 143, nice. J'aurais dû faire ça plus tôt, ça aurait peut-être gaspillé un peu de moins de mana sur le long terme. Tant que vous soulez pas dans les flaques de poison, ça serait déjà acceptable. Merde, j'ai mis l'appui sur carré avant de se mettre en défense. Oh là, ils vont prendre tellement cher. Non, c'est bon, il y en a un qui est temps de se mettre en défense. Ils sont mis en défense tous, c'est bon. Comment ça, t'es encore empoisonné, toi? T'as refait le con. Tamus. Ça parle que j'ai pas le temps de trop attaquer à cause de ces conneries, à cause de mes mates, et mes mates tapent pas en plus. Parce qu'ils sont toujours en défensif. Oh là, ils servent à rien. Je vais laisser crever, ça m'arrangera, je crois. Bon, encore une pluie de poison.
pris la max. Elle a largement pris la max. Oh, on attendra vraiment la phase de non-retour, je dirais. Je sais que c'est une popo au cas où. Mais je la claquer maintenant en fait. J'avoue, on est bien. Parce qu'il a encore marché. Oh là, il marche tout dans des flaques de poison. Mais ça sert à rien que je le soigne quoi. En fait, ça sert à rien que les antidotes, ils vont marcher dans les flaques de poison comme des gros tardes. Laissez-moi de la mana. J'en ai vraiment besoin. Merde, par contre, moi, j'étais en besoin aussi. Ah oui, ça me casse des cycles. En vrai, les bots sont pas très tout de suite, alors là... On va avoir perdu la ville. Normalement, j'ai un tour de défense magique, ça devrait quand même passer. Dis-moi que ça passe. Oui, ça passe. Oh, double furie. Faudrait que limite l'autre il me la prenne pas non plus quoi. Je vais mettre deux fois furie. Oh oui, double furie dans sa face. Si c'est la famille. Cœur brûlant. Fire heart. Voilà. Bam. Défense, globe de solidité. Bah, le champ de force a concédé. Non mais à un moment Faco tu assumes. Je donne des ordres, tu respectes pas. Faites des dégâts tant que vous pouvez. Pourquoi il va décéder, de toute façon j'en ai rien à foutre. J'ai envie de dire qu'il décède. Il décède. Vas-y, attaque, donne tout tant que tu as encore une soupçon de vie. Je crois que tu vas mourir par le poison. Tu vas me démerder tout seul. Voilà. Dépendant que de moi-même, je me sens plus à l'aise. J'ai acheté des cappuccinos. Sinon, voilà la merde. Tiens, une autre furie. Ça va remettre full life en plus. Super charge! Framing heart! C'est plutôt flaming. Enfin, ouais, brûlant. Ow. J'ai encore une petite dizaine de sorts. Il va falloir que je claque un petit café, je crois. Un petit café, un petit express. Il me droit plus de mana, lui. Il essaie de me pisser dessus quoi. En mode de la mana donc. Plutôt solide cet enfoiré. On joue à la sécurité. Ouh, ça va être juste. C'est bon. Ouf! On va jouer avec le feu là.
Merde, ça par contre c'est pas cool. Bon, sauf s'il me remet dedans. C'est pas cool du tout. Si Lumi pouvait servir à quelque chose, by the way. Je sais pas, me soigner. C'est quand même bien. Bon, j'aurais utilisé un dernier cappuccino, je pense, pour le terrasser. Putain, il me pousse au bout quand même. Tout petit qui tire et qui sort, trait de lumière. Blah. Alors on est bien là. ジャボ様。ジャボやて。どこにおんねん。空の女王よ。お前の悪夢の力。失うは人間。私の代行者としての役目も果たせぬか。ジャボ様、お願いです。もう一度。遅い。悪夢の力を失った人間に価値などない。 Vous croyez que la reine Kulan est devenue redevenue normale? Non, Myrta, il faut encore lui rendre son ce qui lui manque. Nous avons débloqué un nouvel élément de la fiole. Kubilai, comment osez-vous, comme un voyou de si basse extraction, peut-il se permettre d'interférer dans les affaires d'une reine? Ha ha ha! Toutes mes excuses, votre altesse, je n'ai jamais su rester à ma place, n'est-ce pas? Et ça va aussi pour vous, qu'est-ce que les gredins de votre espèce peuvent bien me vouloir? Comme c'est charmant, on dirait que la reine des cieux a toujours le cœur brisé. Je crois que c'est à toi de jouer, fiston. Peux-tu accomplir avec la reine le même exploit qu'avec Aerwant? Mais bien sûr, je peux réparer ton cœur brisé. Aucun doute là-dessus, ce qu'il manque à sa grandeur toute puissante, c'est un peu d'amour. Et c'est ce qui fait tourner le monde, pas vrai? Donc c'est de l'amour qu'il lui faut, ou est-ce qu'on connaît quelqu'un qui lui déborde d'amour? C'est de l'amour que vous cherchez, je suis votre homme. Hein? Tu as bien entendu, personne ne peut éprouver plus d'amour que moi que pour Kulan. De l'amour pour la reine Kulan? Jamais. Haha, il l'aime, mais non, on sait. Assez parlé d'amour, cette écœurante simplement me donne la nausée. Haha, c'est bien la nausée l'inflammée dont je suis tombé amoureux, c'est doux à mes oreilles. Saperlotte, ça doit bien être de l'amour qu'il apprécie qu'elle lui parle comme ça. C'est vrai, il y a quelque chose entre Kubilai et Kulan, je veux connaître leur histoire. Et on se calme! Peu importe, tout ce que je sais, c'est que Kubilai doit partager l'amour qu'il a dans le cœur avec Kulan. Allons-y. Pouk! Le sentiment qui fait tourner le monde. Tiens, prends-toi une dose d'amour dans la gueule. Blah, 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 blah.
Mais qu'est-ce que... Mon cœur... Kubilai? Votre Altesse, on dirait que vous êtes revenu parmi nous, je vous ai parlé si durement. Aurez-vous le cœur de me pardonner? C'est pas grave, c'est un plaisir d'entendre des mots si durs de la bouche d'une noble femme. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi, Kubilai. Je suis content que la reine Kulan n'ait plus le cœur brisé. Pour sûr, et je veux dire que notre trône de pirate me pressionne, on s'est déjà servi deux fois dans son cœur quand même. Ah, tu as raison, mais son amour pour la reine c'était quelque chose d'un peu spécial. Vous m'avez appelé reine, je ne suis pas digne de tel titre. La cité de Xanadu qui flottait dans le ciel est allée s'abîmer dans un océan lointain, je n'ai pas été capable de protéger mon royaume. Puis je suis arrivé dans cette ville et j'ai brisé le cœur de ses habitants. Non, vraiment, je ne suis pas une reine. Je vous en prie, votre Altesse, vous ne devriez pas être aussi dur envers vous-même. Écoutez-moi, le peuple de Xanadu vous considérez comme une souveraine sage et juste. Vous avez réussi à conjuguer vos fonctions de reine et de sage en formant de nombreux magiciens. Avez-vous oublié tout le bien que vous avez fait? Kubilai, ce que vous dites, ça me doutait, mais ça n'excuse nullement tout le mal que j'ai fait. J'ai causé tant de souffrances. Votre Altesse, nous avons rencontré un fantôme à Kassler, celui d'une femme qui servait dans votre armée. L'une de ces pauvres âmes qui ont perdu la vie à Xanadu. Elle nous a dit que tant que la reine Kulan était en vie, son peuple gardait espoir. Elle a parlé de moi et d'espoir? Regardez autour de vous. Les habitants de cette ville ont peut-être le cœur brisé, mais au moins ils sont en vie. Votre Altesse, rendons cette ville toute sa splendeur autrefois. C'est un risque d'être long, mais je sais que vous le pouvez. Vous n'êtes peut-être plus une reine, mais nous sommes toujours à vos côtés. Vous n'êtes pas seul. Et qui dit que vous ne pourriez pas reconstruire Xanadu? Oh, Kubilai, merci. Merci à tous. Et tu as raison. Je ne dois pas sombrer dans le désespoir. Je dois plutôt devenir une source d'espoir pour les autres. C'est mon devoir. Vous n'êtes pas la seule grand sage à vous être égaré. Mon père et Pekari ont souffert aussi. Oui, Oliva, ici présent, les a aussi aidés. Et maintenant que vous êtes tous parés, la lutte contre le mal peut enfin prendre sérieusement. Juste une seconde, il faut absolument que je sache. Depuis combien de temps ça dure entre la reine Kulan et Kubilai? C'est vrai quoi? Une reine et un pirate du ciel, c'est aussi romantique. Oh, tu es obligé d'être aussi indiscrète? Kublai est connu sous le nom du roi des pirates du ciel, et beaucoup le craignent, mais il n'y a pas que ça. Ha ha ha, c'est exact, j'ai de nombreux talents, et dirigé d'une main de fer une bande de fanfarons du ciel, l'un que d'entre eux. Kublai a également été le commandant des forces aéroportées de Xanadu. Il s'est donc battu pour la reine Kulan. Suffit, je peux leur dire moi-même, espèce de petit roquet à la langue bien pendue. Vous étiez commandant Xanadu? Oui, c'est vrai, mais après les guerres uniques, Xanadu s'est tenu à l'écart de tout le conflit. Mais on ne peut pas rester neutre sans avoir une sérieuse force de frappe dissuasive, et les troupes de Kublai représentaient une partie de ses forces. Quitte un fou amoureux de la reine, un grand classique. Fako, tu es obligé d'être aussi indélicat? Il a raison, je veille sur elle depuis qu'elle est toute jeune, et j'ai fini par éprouver des sentiments pour elle. Mais je ne suis pas qu'un simple soldat, il n'y a rien à faire. Eh bien, ça doit être difficile. Mais c'est du passé, les choses ont changé. Les choses ont changé, comment au juste? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit avant, je ne suis plus une reine. Il n'y a plus de barrière ni de problème de classe entre nous. J'ai bien entendu, vous voulez vraiment dire que je crois avoir été assez clair, ne m'obligez pas à épeler chaque mot. Oh, je... Allons, Kubilai, faites un effort! Bon, ça doit se arrêter de la torturer, il va falloir qu'elle vous dise combien de fois que vous pouvez que vous compreniez. Mettez-la en veilleuse ou je vous coupe la langue, vous adressez au roi des pirates du ciel! Bon, d'accord, ça va. Nice. Comment la petite fille devint reine? Les habitants de Perdita ont tous récupéré leur cœur. Tu as dû avoir terriblement peur, ma petite Nina. Je te présente mes hommes, je les excuse pour ce que j'ai fait. Ne vous inquiétez pas, reine Kulan, je suis tellement contente que vous soyez devenue si gentille. Maintenant, tout est gai et radieux à Perdita. Je ne laisserai jamais Shadar gagner. Ce que tu dis me fait très plaisir. Les enfants comme toi apportent en eux l'espoir d'un avenir meilleur. Nous, malgré notre âge, nous avons choisi la voie de la lâcheté. Nous voulions juste en être débarrassés de la peur et rester à l'abri de la vérité. Eh bien, c'est ce qui est fait, fait. J'espère juste que cette crapule de Shadar n'est pas dans les parages, tapis dans un coin prêt à bondir. Je sais ce que j'ai à faire. Mon devoir est de protéger la population de Perdita contre Shadar. Je fais le serment de ne jamais laisser les ténèbres du désespoir envahir à nouveau la ville. Je vais me racheter pour ce que j'ai fait. Gracias, votre Altesse. Gracias. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Mes hommes sont à votre service, votre Altesse. Protégeons ce petit village ensemble. Non, Kubilai, d'autres devoirs vous appellent. Il n'y a pas que cette ville qui a besoin d'être protégée des sombres desseins de Shadar. Avec votre vaisseau, vous pouvez voyager librement à travers le monde. Vous comprenez ce que j'attends de vous? Ah, malheureusement, je ne comprends que trop bien. Non, vous venez tout juste de vous retrouver. Kubilai, même si les désirs nous séparent, nous serons toujours unis. Tant que nous poursuivons le même objectif. Ha ha ha, ce n'est pas faux, votre Altesse. Vous avez toujours su trouver les mots. Dans ce cas, tout est bien qui finit bien. Oh, mais avant que j'oublie, il y avait une raison pour notre venue d'un trou perdu. Je suis conscient, elle concerne Lumen, n'est-ce pas? Pom pom pom. Oui, nous essayons de lui rendre son pouvoir, nous avons les trois pierres magiques, mais même Pekari n'a pas réussi à les remettre sur la baguette. Les pouvoirs de Pekari n'ont rien pu y faire, vous dites comment est-ce possible? Dites-moi plus. Je vous dirai plus. Eh bien, selon lui, c'est peut-être dû au fait que nous sommes allés récupérer l'humaine dans le passé. Magicien masqué capable de manipuler le temps. Je demande quelles peuvent bien être ses intentions. Mais j'y réfléchis plus tard. Contrecarrer les plans de Shadar reste notre priorité absolue, je vais procéder au rituel approprié au plus vite. Tip top, on dirait que Kulan sait ce qu'il faut faire pour réparer l'humaine, hein? C'est pas génial ça. Jeune Oliver, je vais avoir besoin d'aide dans cette entreprise. Acceptez-vous de m'aider? Alors, ça sent que le conseil est corrompu.
mais qu'il y en a un qui a résisté à la corruption. Je l'annonce, bon. Je dis ça un peu au pif, mais je pense que c'est ça. Il doit y avoir d'ailleurs 2-3 membres du conseil qui sont au courant et qui font, en fait... comment dire ? Doit y avoir, en fait, le conseil doit être corrompu dans la majeure partie, mais il y a quelques-uns qui ont encore la conscience, voilà. Et je pense qu'en fait, un de ceux-là qui avait la conscience bien machin a... Bref, il doit y avoir des membres corrompus... Et il y en a 2 ou 3 qui sont en fait pas corrompus. Et en fait, c'est un de ces 3 là qui nous a téléporté dans le temps, je pense. Que je récupère un peu d'amour. Bon, quitte à être autant engagé dans l'épisode, on va aller voir le rituel. Pourquoi il faut qu'elle parle tous espagnol ici? Allons-y, finissons-en. Pouvons-nous commencer la cérémonie? On y va? Eh bien, c'est quand vous voulez, votre Altesse. Oliver, connaissez-vous le sort appelé cure de jouvence? Oh oui, il permet aux objets de remonter le temps pour retrouver l'état dans lequel ils étaient avant d'être usés ou cassés. En fait, c'est la mémoire de ces objets que ce sort fait appel. Seul le sort faille temporelle permet de manipuler le temps lui-même. Ceci dit, je pense que Cure Jones devrait pouvoir remettre les pierres magiques dans l'état où elles étaient il y a 15 ans. Mais oui, comment elles seraient... Comme ça, elles seront adoptées dans le domaine qu'il y a 15 ans, c'est ça? En effet, je vais devoir exécuter simultanément le sort corps du cœur de Jouvence et le rituel nécessaire pour intégrer les pierres sur le domaine. Ce n'est pas trop intense, même pour vous, Altesse Célitissime. Ce sera pas facile, je comprends pourquoi Pekari n'a pas révélé les filles, mais je crois que je peux faire ça pour vous. Merci, votre Altesse. Maintenant, ça nous attend de commencer le rituel. Le rituel est terminé, jeune homme. Vous êtes désormais en possession de la véritable Lumen. Consultez votre maître magicien pour pouvoir la baguette à restaurer quelque part. Vous disposez maintenant de nouveaux sorts. Guérison. Rends la santé à tous ceux qui touchent aux portes de la mort. Allez à Jacta. Placez votre confiance dans le destin et croisez les doigts. Invocation. On manque de puissantes bêtes qui accomplissent votre volonté. Ouah, ces sorts ont l'air extra. Vous serez appelé Invocation, ce sera très utile, j'en suis sûr. Et dont le cœur a été brisé par Shadar. Quand tu les as battus, tu as obtenu des gemmes spéciales, si je me trompe. Oui, c'est vrai, ils ont laissé tomber de grosses gemmes, hein, Oli. Ces gemmes symbolisent la gratitude des gardiens et renferment une partie de leur esprit et de leur force vitale. Le sort d'invocation nous permet de canaliser l'énergie contenue dans ces gemmes et de faire appel à les forces des gardiens dans les points de combat. Nice! Merci, votre Altesse. Vraiment, vous êtes mieux équipé pour ce Shadar, mais il vous faudrait un sérieux obstacle à franchir pour en arriver là. Shadar réside dans la nécropole du Néant, au nord d'ici, par-delà le marais au miasme. Le voyageur imprudent qui se laisse submerger par les sons de vapeur qui émanent du marais revient jamais. Le marais au miasme vous dit je. Qu'est-ce qu'il y a, Mira? Tu en as déjà entendu parler? Oui, somme qu'aucune lumière ne pouvait traverser, c'est ça qu'on appelle les miasmes. Pour que ceci, il sonnait du clairon. Le clairon, je me souviens qu'un jour tu nous as dit que nous serions les prochains à les entendre retentir, Myrta. Oui, qui est écrit par les 3 rois du monde. Que disent le poème déjà? C'est à Carabas qu'on consulte ce vieux bois, ma mythe, mais c'est à Kassler qu'on lui donne le son qu'il mérite. Myrta, mais il faut dire que tu es la fille d'un grand sage. Une consigne que j'ai apprise quand j'étais petite. Donc, si on souffle un bon coup d'un clairon, il nous ouvrira un chemin pour traverser le marais de Myrta, c'est ça? Oui. C'est une bûche sacrée. Ce vieux bois maeunite. Je crois que l'heure est venue de réunir le sultoran. Eh bien, moi, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode de Ni No Kuni. On sent... Ah, vous avez obtenu un trophée à la légende de Lumen. On sent qu'on s'approche quand même de la fin ou de quelque chose comme ça. En tout cas, si... S'il y a une suite après Shadar, on sait qu'on va bientôt affronter Shadar. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à tous, ciao les gens, et à très vite.